Maïkena Birabin en guerre contre Canal, elle réclame 4 millions d'euros après son licenciement. Licenciée du Grand Journal pour « faute grave » en 2016, Maïkena Birabin a décidé de porter son cas au prud'homme. L'affaire qui l'oppose à Canal est passée devant le Conseil des prud'hommes ce lundi 25 juin. On sait désormais que l'animatrice réclame 4 millions d'euros à son ancien employeur. Ce lundi 25 juin avait lieu l'audience en bureau de jugement du Conseil des prud'hommes, section encadrement. Parmi les affaires traitées, celle qui oppose Maïkena Birabin à Canal. L'ancienne présentatrice du Grand Journal, licenciée en 2016, réclame des indemnités et des dommages et intérêts à la chaîne, qu'il aurait selon elle licenciée, sans cause réelle et sérieuse, contrairement à ce que ses représentants avancent. Son avocate, Maître Claire Foujat, a fait part des demandes de l'animatrice au Conseil des prud'hommes. « Je réclame un total de 34 456,22 euros pour mise à pied, 162 500 euros de préavis et 16 250 euros de congés payés afférents, 138 260 euros d'indemnité de licenciement, 2150. 000 euros d'indemnité de rupture, 1 010 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500 000 euros pour préjudice moral, la condamnation à l'affichage du jugement et 10 000 euros d'article 700, a-t-elle déclaré, selon des propos rapportés par l'Express. Soit, au total, une demande qui se porte à 4 millions d'euros pour Maïkena Birabin. L'animatrice s'est exprimée à la sortie de l'audience, durant laquelle elle n'a pas pu s'exprimer. C'est très frustrant de ne pas avoir pu parler, comment peut-on mentir comme cela, déplore-t-elle face aux déclarations de l'avocat de Canal. J'ai défendu mes équipes, on ne m'a pas proposé de solution alternative, le 2 juin, j'ai demandé un contre-communiqué et je n'ai reçu aucune réponse. J'ai été loyal, j'espère que le dossier sera lu. Crédit photo, Bestimage. Chaque jour soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail. Recevoir veuillez saisir un email valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site, Maïkena Birabin.